Jamais. الوحيد اللي كان في صاله هو اللي تواعد زينوا لبسوا لبسة الكورة وجاوا واليوم معنا شرفتونا كل جيسوا بحلانا نحب نشكر كوكا كولا نحب نشكر فيفا نحب نشكر كل من جا بحلانا مرسي أطولمو J'étais parrain des Sociétés d'enfants en 2006 et on a fait la promotion justement pour récolter des fonds et notamment pour construire 20 villages SOS dans le monde, les Sociétés d'enfants dans le monde. Donc pour moi, venir ici c'est revenir aux sources parce que moi j'ai connu plusieurs Sociétés d'enfants, que ce soit à Marseille, que ce soit en Autriche, que ce soit au Kyrgyzstan, au Maroc, aujourd'hui. En Tunisie, pour moi, c'est normal. Et l'action que mènent la FIFA et Coca-Cola ensemble, c'est justement d'essayer d'amener cette jeunesse à se développer, mais en même temps à être intégrée. Et donc, oui, on partage les mêmes valeurs. Et de surcroît, encore une fois, le sport peut permettre cette intégration, cette éducation. Et je sais que ce n'est pas facile pour le directeur, ce n'est pas facile aussi pour les mamans. Mais en tout cas, voilà, on essaie d'aider les enfants de ce qu'on peut. Et aujourd'hui, voilà, c'est aussi une belle journée pour... En même temps, je dirais, donner de la joie à ses enfants, mais aussi au peuple tunisien. Avec Coca-Cola, la charte aujourd'hui, c'est à la Coupe du Monde, on va y aller, on va y aller. Est-ce que vous associez votre travail avec nous? Ben écoutez, il faut y croire, hein, c'est tout à fait normal et je dirais légitime de croire à une qualification. J'espère que, bien sûr, l'équipe tunisienne pourra se défaire des lions indomptables. Les Tunisiens se demandent, est-ce que vous êtes accompagné avec votre femme ici? Non, mais moi je suis la seule, je suis là accompagné. Ma seule femme qui est aujourd'hui, c'est celle-là. Bah écoutez, ça a été difficile à l'extérieur. Aujourd'hui, on se doit de pour se qualifier, gagner au moins avec 3 buts d'écart et j'espère qu'on pourra le faire à la maison. Un petit mot pour les auditeurs de Champs Saphir ? Ben que continuez à écouter et à suivre le foot, à suivre le sport et tout, bien sûr, la culture aussi. Merci. Et aux enfants? Et aux enfants, bien sûr que le sport est, je dirais, un dénominateur commun. Le sport permet de se développer, de se construire et j'espère que grâce au sport, ils vont avoir un avenir meilleur. Get out of the house.